Salut à tous, bonsoir, namaste, vanakam, salam alaikum. À l'occasion du Ramadan, nous avons plaisir pour partager nos recettes pâtes et poissons en créole mauricien. Pour 80 pâtés, nous pouvons servir 800 g poisson thon coupé en petits morceaux, du poivre en poudre, un petit cuillère à pâte l'ail et gingembre, un et demi petit cuillère safran, des oignons hachés, des gros cuillères kotomili hachés, des gros cuillères la menthe hachée, moitié petit cuillère garam masala, 8 cups la farine environ 1 kg, 1 petit cuillère bicarbonate, 8 gros cuillères du beurre, du sel et de l'huile. Pour commencer, mélange poisson avec 1 petit cuillère du sel, du poivre en poudre, 1 petit cuillère la pâte l'ail et gingembre, un petit cuillère safran et laisse-les mariner pour aîner temps. Chauffe moitié cup d'huile dans un carail lors du feu moyen. Frire poisson jusqu'à l'évine blanc, environ 2 minutes chaque côté. Ensuite, laisse poisson refroidir, tiède tout ce bon piquant et servir un couteau pour faire l'ivine en petits morceaux. Mélange poisson avec moitié petit cuillère garam masala, moitié petit cuillère du sel et un petit cuillère safran. Ajoute des oignons, kotomili et la menthe hachée et mélange-les bien. Pour la pâte, nous vous préparons en deux parties. Pour la première partie, tamine 4 cups de farine, ajoute 1 petit cuillère de sel, moitié petit cuillère bicarbonate, 4 gros cuillères de beurre qui fin fun et mélange tout bien. Ajoutez le tiède, environ 1 cup, tigit pot tigit, pétrier-li pour faire un lapin. Ensuite, répète même étape pour deuxième partie de la farine. Divise la pâte là en 4, bêle une partie pour une partie jusqu'à l'évine de l'épaisseur en rôti. Coupe un carré environ 7 cm depuis la pâte qui ou fine bêle. Place un cuillère filling au milieu de carré là. Passe un petit peu de l'eau légèrement le rebord au carré là. Tourne-les comme on avait montré dans la vidéo là. Coupe ce des côtés et scelle-les avec une fourchette. Mettez-les dans le frise pour au moins 2 heures de temps avant de frire-les. Quand vous êtes prêt, frire-les dans de l'huile du feu moyen. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo-là. Pas oublier de liker et partager-les. Nous souhaitons tout Ramadan Mubarak. Merci et à la prochaine.